à mon goût, et je pèse le personnellement, l'adverbe, trop de témérité, hélas. C'est-à-dire que le chamanisme et le druidisme pourraient éventuellement se rejoindre par rapport au respect que l'on apporte à la nature, mais il est vrai que les limites sont floues et en tant qu'occidental, j'aimerais ici y mettre une limite. Le druidisme, oui, la secte, non. En ce sens que les dérives d'aujourd'hui concernant cette approche druidique, où l'oralité a régressé, hélas, et je pèse le trois fois hélas, par rapport à l'écrit, puisque maintenant, il est courant de faire des cours par correspondance sur le thème du druidisme et de vous faire ensuite une initiation. Ce qui me semble peut-être bien sympathique, entre guillemets, dans notre monde occidental, mais qui a valeur de secte, hélas. En ce sens, je pèse mes mots, M-O-T-S. C'est-à-dire que pour avoir un maximum de personnes qui s'allient à une cause, donc on utilise des médias modernes, mais on perd son objectif, hélas. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur que la transmission s'effrite, s'écaille, hélas, et de trouver que les moyens de communication modernes apportent plus d'engouement généralisé. Mais c'est vrai que cela n'est pas tout à fait juste et on perd de beaucoup, beaucoup, beaucoup l'initiation primaire. C'est-à-dire que la correspondance entre la nature et l'être humain, me semble-t-il, perd de sa valeur initiale et primaire, primaire avec le sens non péjoratif du terme, mais primordial. Le respect par rapport à la nature est important, mais il est vrai que le monde évolue, que nous sommes en évolution. Nous vivons un temps présent, nous devons nous adapter, ce qui est important pour l'être humain, pour pouvoir survivre, entre guillemets, dans une société dite occidentale, ou dite dans un monde actuel. Et il est vrai que si, par exemple, les choses ne sont pas immuables, sont en progrès, prenons par exemple l'état du soleil, le soleil, semble-t-il, d'après les scientifiques, est à peu près à sa moitié de temps de vie par rapport à sa naissance. Et donc, il évolue et un jour, il risque de mourir, d'après la théorie des scientifiques, qui, pourquoi pas, peut être juste. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre dans un monde actuel sans avoir référence à des choses qui sont du futur. Je m'explique. Si le soleil un jour doit s'éteindre, il s'éteindra, ça vient dans la logique des choses. Bien sûr, après moi le déluge, diront certains. Et de certains, il y en a beaucoup, je suppose. Mais est-ce juste ? Peut-être on ne peut pas avoir une optique de progrès et en avoir les fruits et en régresser dans l'idée. C'est impossible à ma logique, hélas. On peut avoir une approche du druidisme, mais pas réfuter, par exemple, tout ce qui touche à l'environnement. C'est vrai que on aimerait bien manger des légumes et des fruits bio, mais il n'y en aurait pas pour tout le monde, par exemple. Ou bien avoir une approche de l'environnement qui contradirait éventuellement les notions de progrès, et notamment de progrès scientifique.
Il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Quelle est la priorité? Quelle est notre priorité aujourd'hui? Oui. En projet dans le futur, oui. Mais quelle est notre priorité? Il faut choisir. Nous avons un choix. Nous avons des choix à formuler. Nous devons faire un choix. Donc, nous ne devons pas régresser, hélas, mais avancer. Avancer en toute logique pour être honnête et logique dans notre présent et pouvoir avoir une amorce de futur. Salon de Provence, à la campagne. Voilà, aujourd'hui, la patrouille de France s'est tue. C'est une bonne chose. C'est la fête du travail, donc on chôme. Comme un dimanche, pourquoi pas peut-être. On regarde en arrière un petit peu et on regarde ce qu'on a fait dans la semaine. Mais pour regarder ce qu'on a fait en arrière, il faut savoir s'arrêter. Voilà, donc un compromis entre la psychologie, le social, l'historique et l'économique pour l'ici, s'adapter dans le présent, est une façon de voir aussi le monde, une façon peut-être cataloguée comme philosophique, certes, mais une façon de voir le monde serein, plutôt heureux, plutôt en bien-être. Voilà, je vous remercie de l'écoute. Et puis, pourquoi pas avoir un peu votre sentiment ou vos avis sur les thèmes abordés lors de ce film. Pourquoi pas vous rencontrer un jour.